Lutumba. Ouais. Oh, la chaîne. Mais allons la chaîne. Oh,
Élisée au Coca Mambo, HKI. Les artistes comédiens de la RDC face à l'agression de notre pays. Nous, artistes comédiens et de cinéma, réunis au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANDPC ainsi, venons ce jour donner notre réaction face à la situation que traverse notre pays. Vu le danger de balkanisation de notre pays, ourdi par quelques pays de la communauté internationale, et l'agression barbare dont nous sommes victimes de la part d'un pays voisin, nous citons le Rwanda qui est leur instrument sous couvert d'une fallacieuse rébellion dite de M23. Vu les conséquences désastreuses de cette agression, et les massacres de masse de populations congolaises, plus précisément à l'est et de l'espace Grand Bandundu, mus par la détermination de voir régner dans notre pays la paix, la stabilité et l'intégrité nationale, déclarons devant l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Soutenons de façon indéfectible le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées congolaises et services de sécurité, ainsi que toutes les actions qu'il entreprend en faveur de la paix, de la défense de la patrie et du développement intégral de notre pays. Encourageons le chef de l'État
dans ses efforts de lutte contre les antivaleurs sous diverses formes, entre autres la réforme de l'armée et des services de sécurité. Enfin, de débarrasser nos unités de défense de moutons noirs et de traîtres. Soutenons et encourageons notre armée nationale et le service de sécurité, ainsi que les jeunes Congolais, filles et garçons, qui viennent de se faire enrôler massivement pour la défense de la patrie. Félicitons le président de l'Assemblée nationale, son bureau, ainsi que tous les députés nationaux pour la recommandation faite au gouvernement d'interdire l'intégration des forces négatives au sein de l'armée nationale et des services de sécurité, source de l'infiltration et de la trahison dans notre armée. Dénonçons le silence coupable, l'hypocrisie et la complicité de la communauté internationale face au drame que vit la RDC depuis plus de 30 ans. Condamnons avec véhémence l'indifférence de la communauté internationale face au véritable génocide congolais qui a déjà emporté plus de 10 millions de morts, de viols et de toute autre forme de violence et de violation des droits de l'homme. Saluons et encourageons les initiatives de la Première Dame, Mme Denise Nyakero, pour le bien-être des Congolais, notamment dans le soin de santé des artistes comédiens et dans la lutte menée en faveur de la loi sur la réparation des femmes victimes de violences sexuelles. Demandons au Parlement d'examiner et d'adopter la loi sur la politique culturelle de la RDC afin de permettre à l'artiste et aux créateurs congolais de bien remplir leur mission sociale. Appelons tous les Congolais en général et les artistes comédiens en particulier de faire preuve de patriotisme et de raviver la flamme de l'unité nationale dans cette période particulière de l'histoire de notre pays. Compatissons avec les familles des victimes de la dernière pluie pulvienne qui a provoqué plusieurs cas de décès à Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la culture congolaise et l'artiste comédien. Que vive l'unité nationale. Je vous remercie. ANTPC, 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 l'artiste comédien, vive l'unité nationale, Fachi, oye! Oye! Oye!
Assemblée nationale, oyez! Oyez! Sénat, oyez! Oyez! Isomoko, oyez! 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 Effectivement, on a représenté l'artiste congolais Nyos, plus particulièrement l'artiste comédien. Objectif d'ambition est d'aller que la loi sur la politique culturelle est l'ECA, mais aussi la loi sur le statut de l'artiste est l'ECA en République démocratique du Congo. Parce que Tilelo, malheureusement, l'artiste Nyos, tout ça l'a reconnu dans l'État congolais. Tout ça l'a posé, tout ça l'a reconnu. Dans la paix reconnue à niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est-à-dire, l'artiste n'est pas commis à 65 ans, à ceux qui ne peuvent toucher pension. Là. Amen. C'est ça aujourd'hui notre objectif. C'est pour ça. Merci. C'est pour ça que nous avons mémo oyo et puis si possible, nous avons un rendez-vous avec le président de l'Assemblée nationale ou aussi le président du Sénat. Merci beaucoup. Merci. Coupage, coupage. Thank you.